Un tuto en A, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Maintenant, il faut juste que je balance le dé. Alors, c'est combien? 6. Attends, je regarde. Ouais, ouais, c'est bien ça. Maintenant, on va voir c'est quel personnage le 6. Akaza. Ok, du coup, voici un tuto comment dessiner Akaza hyper facilement. C'est parti. Tout d'abord, tracez un cercle que vous allez diviser en 7. Et faites exactement les mêmes traits que je suis en train de faire. Tout ce processus va vous permettre de faire les yeux de Akaza. Puis ensuite, tracez un petit trait juste en dessous des yeux. Tout simplement pour l'emplacement du nez. Et après, faites un triangle à l'envers pour le menton. Et ne pas oublier la bouche qui va se situer juste en dessous du nez. De plus, on pourra faire la structure du visage avec tous les détails de Akaza, qui est un personnage du manga Demon Slayer. Pour les oreilles, faites des rectangles avec l'oreille à l'intérieur. Ensuite, rajoutez quelques centimètres pour le front. Et pour les cheveux, tracez plein de piquants. De plus, on pourra commencer à faire le corps de Akaza de façon très brève. Et pour la main de Akaza, j'aime bien faire plein de ronds pour faire les articulations de la main. Puis après ce tuto, on peut commencer à faire l'ancrage de Akaza. Sinon, à part ça, toutes les personnes qui sont en train de regarder la vidéo actuellement, commentez votre pourcentage de batterie. Et sur ce, voici le résultat. N'hésitez pas à liker.